Il y a quelques mois, je sortais cette vidéo où j'apprenais 3 grosses cascades. Et vous imaginez bien à quel point j'étais content quand j'ai vu que la vidéo vous plaisait et que vous en redemandiez une. Alors vous vous doutez bien. Comment y vont mes jalapenos à la mayonnaise ? C'est ce qu'on a fait. Cette fois-ci, on est parti sur un thème de cascade exclusivement automobile. J'ai donc dû aller passer une formation pour apprendre le fonctionnement des voitures et apprendre aussi le processus des cascades physiques avec une voiture. Dans le but final de pouvoir vous proposer quelques grosses cascades assez impressionnantes en voiture dans la fin de cette vidéo. Eh bien, tâchez bien vos ceintures parce que ça va secouer. Pas certain de la direction que j'ai prise là sur l'accent, mais on va laisser comme ça. Et laissez-moi vous dire quand même que cette aventure est possible grâce à Stitch. Donc Stitch, qu'est-ce que c'est? C'est une auto-école en ligne. Le premier gros avantage de Stitch, c'est qu'il y a une grosse flexibilité, car déjà c'est dispo dans toute la France. Tu peux réserver tes cours directement en ligne, et t'as plus besoin de te déplacer dans une agence comme à l'ancienne. Et ça, putain, ça fait plaisir, j'arrête avec l'accent, j'arrête complètement. Pour le code de la route, tu peux le réviser totalement gratuitement sur l'application, et les questions qui sont dessus sont les mêmes que tu peux avoir pendant le vrai examen du code. Et pour le permis, les offres sont en moyenne 30% moins chères que les autres offres du marché. Putain, ça c'est... J'arrête. Mais en plus, pendant tout le mois de novembre, avec le Black Friday, il y aura des gros promotion, le permis sera à partir de 599€ et 549€ avec le code GILC. Et ça, putain, si c'est pas j'arrête. C'est hyper facile de réserver un cours de conduite, tu vas sur l'application, tu choisis une heure, un point de rendez-vous avec un moniteur Stitch, ce qui assure évidemment une super qualité de formation. Donc avec le code promo GILC, vous avez 50€ sur le pack permis de votre choix, cumulable avec la promotion qui est déjà en cours. Vous avez absolument tout ce qu'il faut dans le premier lien dans la description. Et attention, c'est peut-être évident, mais je le précise quand même, toutes les cascades que vous allez voir dans cette vidéo sont réalisées dans un cadre de tournage professionnel, et donc ne sont vraiment pas à reproduire sur la route. Ça vaut pour les grosses cascades, ou même juste pour le fait de ne pas mettre sa ceinture ou dépasser les limites de vitesse. Voilà, non mais quand même, je le dis quoi. Les gars, oh, la team, ça va? Alors, donc vraiment merci infiniment à Stitch, j'espère que vous trouverez votre bonheur avec eux, j'en ai aucun doute. Maintenant rendez-vous dans un grand hangar avec des grosses bagnoles pour commencer cette aventure. Il est en train de m'expliquer la voiture et tout là. Il m'a dit tu rejoins le groupe mais je sais pas faire moi. Du coup là comme tu peux voir on est sur un véhicule propulsion. J'avais pas vu. Un véhicule propulsion, donc c'est les roues arrière qui propulsent la voiture, c'est ce qui permet de faire du drift, justement ce qu'on appelle du drift. Les voitures elles sont plus du tout d'origine, c'est des voitures préparées vraiment pour ça, pour la cascade. Il y a des amortisseurs exprès, il y a un arceau, des baquets, harnais, etc. Et en fait tu vas te servir de ça, c'est un frein à main hydraulique. Pour chaque move qu'ils sont en train de faire, faut mettre un coup de frein à main à chaque fois. Le frein à main. Et après je relâche pour partir. Voilà, ok, exactement. Bah voilà, on va pouvoir commencer tranquille. Bah allez, let's go. En fait là tu vois, regarde à ta droite, t'as ça, t'as une boucle, tu l'attaches en bas, c'est ça là. Alors en fait c'est là, ouais, voilà. Je fais le GP quand même. En fait là, tu vois, tu la mets dans ce sens là. Ouais. Je vais juste te le remettre, attention. Il a dit en vrai on va aller se mettre sur le tech tous les deux plus. Il a dit on va se mettre à l'écart un peu, t'inquiète. Si je cale c'est la honte. Ah oui, putain, faut vraiment la faire gronder de fou. Tu vas venir ici, tu vas me faire un demi-tour au frein. Moi, je veux voir un petit peu déjà comment tu comment t'appréhendes le truc. Tu veux que je le fasse, moi, le frein de boucle? Non, je vais... T'inquiète, je vais... Tu smurf. Faut que je smurf, là, frère. T'inquiète, ok, vas-y, putain, frère. C'est très nul. C'est normal, tu vois. C'est normal, hein, t'inquiète. Donc là, ce qu'il faut, c'est que tu accélères beaucoup plus fort. Ok. Et tu tires ton frein à main plus fort. Et par contre, pense bien à débrayer, pense bien à appuyer sur l'embrayage. Ça aurait été la honte dans le groupe là-bas, attends. Ah oui, d'accord, mais le frein à main. Mais c'est dur, hein. Oh, frère. Ok. Oh, le 182. Ok. Ok, d'accord. Ouais, ça, c'est super. Nickel. Si tu veux là-bas, t'en faire un à droite. Tu vois, tu peux alterner droite et gauche. Vas-y. Parfait. C'est pas mal là. Hein. Okay. Vraiment que tu arrives à faire un ralentir un peu, tu tires ton frein à main, quand la voiture elle est partie là, tu réaccélères. Ouais voilà, faut pas qu'elle parte beaucoup. Dès qu'elle part un petit peu, ça voilà, suffit pour... Ça. Ok, ça marche. Par contre, pense bien à lâcher ton embrayage. Frérot, je vais juste vomir. Je vais vomir, c'est frérot, arrête. C'est pas mal là. T'étais chaud. Alors là, c'est pas mal. Ouais. C'est bien. Maintenant par contre il faut bien que tu lâches ton embrayage, faut pas que tu le fasses cirer. Donc là c'est quand même très bien. Tu vois, le regard ça va tout conditionner. Ouais, j'étais comme ça, faut que. Ouais. Voilà, faut que je regarde du côté où je tourne. Ouais, ok. Tu vois, ça va t'aider, faut que tu regardes le plus loin possible.
Ok. Et en fait, essaye maintenant que tu as compris les roues, de remettre tes roues droites. Pareil, ton volant il est encore braqué à gauche. Ouais. Donc essaye de le remettre vraiment. C'est pas droit là ? Ouais. Ah, fallait que je mette peut-être encore un tour. Ouais. Ok, ouais. Il manquait encore un tour de volant. Ok. Et pareil, l'embrayage, je pense à bien vraiment faire gaffe à l'embrayage, de bien lâcher. Ok, ça va. De ouf. Attends, je peux sortir ? Vas-y, vas-y. Ah ouais, si tu veux, t'as envie de bloquer. Ouais, faut que je bouge là. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pour les plans. Non, c'est vraiment pour vomir. Ouais, je sais. C'était bien là à voir ? Ah ouais, il va vomir, il m'a dit. Faut que j'aille vomir. Tu voudrais essayer un peu après? En vrai frère, je suis chaud d'enfer si tu veux. Mais il faut juste que tu... Mais laisse-moi monter. Tu me laisses pas monter. Laisse-moi monter. Donc là tu vas voir, c'est là où tout devient compliqué en fait. C'est de faire ça, mais avec des obstacles en fait. Là le regard c'est super important, d'être constant. C'est vraiment le métier de cascadeur, c'est ça quoi. C'est de faire le con mais avec des trucs de précision. Putain, je vais juste faire le con. Il a eu le plot. Mon pote il a eu le plot. Ah, dis donc ça, t'as tué le cadreur. Ça fallait pas le toucher. Voilà, moi je suis précis hein. Moi je vois un plomb, je le touche. Le cône en vrai, si vous voulez, moi. Je fais plus gaffe si c'est badass. Attention, badass. Quand j'arrive moins vite, j'ai l'impression que je vais pas tourner, mais en fait ça tourne. Et ouais, du coup, après, tourne. C'est plus simple. De toute façon, le regard ça conditionne ouais, tout, c'est super important. R4, tu vois. C'est le regard qui vous a attiré. Ouais, c'est ça. Excuse-nous. Oui, on parle de voiture et moto. Pardon, bon, on va avec les autres. Vas-y, on rejoint le groupe. Tu veux monter ? J'ai de la boue partout. Putain. Mec, c'est incroyable. J'adore, frère, c'est trop bien. Attention, Manas. Ok, putain, c'est incroyable là. Regarde comment ça se passe, mais ça a l'air d'aller. J'adore. Ça passe bien ? Ouais, de ouf. C'est trop bien. T'as la main à plat sur le volant, tu le lâches, il y a rien. En F4, ils sont plus rapides. Là, je m'entraîne avec tout le monde. Sauf qu'ils sont tous plus forts que moi, je suis un peu à la traîne. Je crois que le circuit, ça fait du coup ligne droite, donut, 90 vers la gauche, 90 vers la gauche. Tu reviens, donut, et tu repars, 90 vers la droite, 90 vers la droite. Et eux, ils sont quand même précis là depuis tout à l'heure, tout ça. Putain, ils ont des voitures de police, c'est vraiment trop stylé. Moi, j'ai pas ça. Oh, je vais jamais faire ça, mon frère. C'était parfait. Bah oui, c'était parfait. Super. Bien sûr, c'était parfait. Allez, suivant. Voilà, c'était la honte comme prévu les frères. Je suis vraiment le nulos du groupe là. Non, attends. Sid, la vie de ma mère. Sid, je vais me la faire. Sid, s'il te plaît, écoute-moi. Ah bah là, t'as l'air con. Oh, je suis le nulos du groupe. Franchement, le deuxième donut, tu l'as géré de baiser. Bah non. Dans le groupe, après à la cantine, ils parlent tous de moi dans mon dos. Et quand je passe, ils font... Encore la paume de main sur le volant. Lui, il faut qu'il arrête de mettre la paume de main sur le volant. C'est moi la honte. Frérot, celui-là, tu l'as vraiment bien. Ouais,
t'es bien là, c'est moins la honte là. C'est ouf. Même t'as vu les 2,90 degrés là, je les ai ouais, bien. Franchement, c'est mieux, ouais. C'est les donuts. Le premier, t'as chié, je crois. Le là-bas ouais, j'ai touché non, le premier donut. Non, donut, j'ai pas encore bien. Okay, mais ouais. Les 90 degrés là. C'est dans les virages là. Ouais. Ça, je l'ai pas mal. De toute façon, quand t'es en course poursuite, tu fais pas de donut. Hein. Non, bah non. C'est des 90 degrés qu'on fait. Hein. Attention, Vanessa. De débutant alors que je suis un pilote de base. J'ai laissé mes pouces dans le volant. Oh non, le alors débutant. Comme ça, débutant. Oh, le débutant, oh, débutant. Mais t'as vu par contre là sur les virages là-bas, je suis bien. On va pas la conf non plus. C'est trop tard, je l'ai là. Ah merde. C'est trop tard. Là c'est le dernier passage ouais, de toute façon, après on change d'atelier. Ah ouais. Je vais te faire un perfect là. Ouais, là oh, t'as rien à apprendre. Ah, là je fais mieux pour l'instant. Là aussi. Là aussi. Allez, marche arrière. Ah, mais en fait, t'es bon. Mais oui, je suis pas mal en vrai, frère. T'es pas obligé de crier par contre. Non, parce que toi, tu sous-estimes trop, frère. T'es trop en mode de gna gna. Alors que baisse ta mère un peu. En vrai, je crois que j'avais fait n'importe quoi là. Mais il m'a dit, c'est encore un poil mieux. Là, je suis en train de faire un truc de débutant. Je suis en train de faire ça. Et je trouve pas le frein à main hydraulique. Je suis comme ça. Et en fait, je pense qu'il faut toujours avoir ma main par là, tu vois. Parce qu'en fait, quand je suis comme ça, des fois, je le loupe et il faut que je le rattrape et je perds une seconde et c'est mort. Je rentre au stand. Là, on va faire du coup du deux roues. Là, on va faire du deux roues en voiture. C'est un peu le... La signature du cascadeur, le deux roues, tu vois, c'est tenir l'équilibre sur deux roues. C'est le, c'est la scène de taxi. Ouais. Il passe comme ça là. C'est ça. Ouais. Tu vas dans le taxi, dans le transporteur aussi. Ouais, complètement. Ouais. Et genre toi, à ton niveau, tu serais capable de le faire sans la roue qui sauve là sur le. Ouais, nous on le fait sans la roue. Ouais. Ok, ouais. D'accord. Et en fait, si tu veux, nous on le fait avec un tremplin plus petit. Où tu sais, on met un coup de volant pour que la voiture, pour l'amener jusqu'à l'équilibre, tu vois. Okay. Mais en fait, là, on fait ça avec une rampe école. Ça fait qu'on pose la voiture sur la roulette déjà. Et ensuite, une fois qu'elle est posée, on avance et on trouve l'équilibre, tu vois. Ok. Tu voudrais essayer, Manas? Fais-le en premier. Non. Si. J'ai une pression monstre. Regarde, c'est le truc le plus ouf direct. Bah, tu l'as déjà? Mais c'est pour toi? Oh, bâtard, tu l'as en noir. Ouais, c'est plus stylé en noir, quand même. Ouais, t'es chié. Ouais, c'est à toi là. Ouais. Bon, les frères, c'est dur. C'est dur? Ah, c'est dur, ouais. En vrai, je vais vous montrer vite fait. Je suis terrifié. Je vais juste faire du drift. Vas-y, Adrien, je t'emmène. Bah, allez, c'est parti. Voir comment Emanas il se démerde sous la pluie pour conduire sur deux roues. Il voulait juste drifter, il fait le truc le plus galère. Surtout pas brutal, sinon c'est tonneau ou ça retombe tout très fort. Ouais, enfin bon. Va pas plus vite. Hop, voilà. Là on est en deux roues, tu vois. Tu vois Oh oui, il est bon là. Là t'as vu, t'accélères. Essaye d'être stable. En fait, si t'accélères et que tu lâches l'accélérateur, ça touche pas. Ouais! Putain, mec, t'as géré, hein? T'étais bien sur deux roues? Ouais, non, franchement. Ouais. Tu crois quoi, frère? J'ai pas touché le volant une fois. Prends le volant. Voilà, vas-y, redonne le volant. Putain, je suis une merde, Adrien. Ah bah non, t'inquiète, c'est normal. Non, si, c'est toi qui faisais tout? Non, c'est pas vrai, franchement. Non, allez, c'est bon, je suis dégoûté. Allez, je suis déçu. Je te regardais, il est fort. Bah oui, je suis fort. C'est pas what. C'est Adrien qui a tout fait. Adrien, j'ai fait quand même. Non, franchement, ouais. Tu vois, vraiment, je vais laisser le volant. Non, c'est vrai. Quand tu commences à. Non, si. Adrien, j'ai fait quand même. Non. Les gars, c'est trop dur, sa mère. Au début, je vais prendre le volant tout le temps pour le premier passage. Okay. Et en fait, ce que je veux, c'est que tu arrives à garder une vitesse constante. Tu vas voir le volant, le point d'équilibre, il se joue à rien. Le volant, c'est juste ça.
regarde, tu vois là, c'est très bien ce que tu fais. Tu stabilises ta vitesse et regarde mon volant. Tu vois, je le bouge à peine. Okay. Là, tu vois, t'accélères, regarde. T'accélères pas. Essaye de garder ta vitesse stable, c'est super important. Okay. Vraiment, c'est important. Et là, je repose et tu vois, quand je repose, en fait, je braque à droite parce que j'accompagne la voiture. D'accord. Parce que si tu braques dans l'autre sens, tu te fais pulvériser, quoi. Tu vois, ça tombe fort. Okay. Ouais, c'est très technique. C'est très très technique le dos. Franchement, ça s'apprend pas en deux secondes comme ça. Ouais. Je me disais, t'as vraiment, c'est il a vraiment le truc, quoi. Vas-y, avance. Vas-y, plus vite, un peu plus vite. Vas-y, vas-y. Voilà, garde cette vitesse. Voilà, donc là, on est en deux roues. Vas-y, mets tes mains sur le volant. Voilà. Ouais, t'as vu le premier réflexe que t'as eu? Ouais, direct c'est j'ai. C'est pour ça que je te dis ça, à gauche. T'as voulu emmener le volant à gauche. Il a fallu que je le mette à droite là. Bah, en fait, vu que la voiture elle redescend, comme je te disais, il faut braquer à droite. Vas-y, accélère. Vas-y, mets tes mains sur le volant. T'as vu, t'as envie d'aller à gauche toujours. C'est pour ça que je te tiens le volant. En fait, si je lâche le volant, je te le dis. On se satellite. Il a pas touché le volant une fois. Il a touché une fois au début. Et après, regarde, tac, 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 tac. Je rigole, impossible. Frérot, impossible. C'est impossible. Putain, mec, impossible. Je viens de débriefer avec le gars derrière. Je fais, t'as réussi? Il me fait, non. J'ai touché le volant, je tombe, je fais, moi aussi. Tout le monde revient même à la même conclusion de, tu arrives? Bah non, mec. Ok, mon manasse, à toi de jouer. Toute première fois en drift. Non, j'ai fait ça plein de fois. T'es sûr de dire ça? Déjà, pas de galère, je démarre le moteur au calme. Ça pour l'instant, c'est pas du drift. La première, ça je prends le vent. Toujours pas du drift. Bah, quand tu veux, tu peux venir. On arrive, il est pas prêt là, c'est chiant ce qui se passe là. C'est bon, je suis prêt. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas partir de là-bas. Ouais. Et tu vas essayer de tirer à 180. Putain, je t'ai rien. Écoute, ce qu'il dit. J'écoute. Non, tu parlais en même temps, tu disais, je suis dans la merde, pardon, qu'il te disait. Non, il a dit, tu vas tirer un frein à main et tu vas bouffer cette conne. Non, je vois, faut pas bouffer le code, tu vois. Là, tu vas t'attuer le cadre. Regarde, quand t'as le cône là, tu prends bien de la vitesse. Et dès que tu vois qu'on va dire que genre ton capot, il est quasiment au niveau du cône, t'embrayes et tu tires d'un coup. Maintenant, c'est trop bas. Tu le tiens trop longtemps, ça. Maintenant, lâche. Pas mal. Ok, maintenant, je lâche plus tôt que la voiture, elle part. T'as le réflexe de le garder, tu vois, pour t'arrêter. Lâche. Parfait. Oh, let's go. Parfait. Ok. Tiens, c'est, en fait, il te sert juste à perdre le contrôle. Ça y est, j'ai capté. Lâche, trop bas. Parfait, fais la même chose. Lâche, contre-braque. Alors là, t'as contre-braqué trop tôt. Ah merde. Tu vas trop tôt, t'as redressé ton volant. Vraiment que tu gardes le volant en haut et à la fin tu remets ton volant droit. Ok. Pourquoi tu me parles toi en vrai? Moi je trouve ça va là. Moi aussi je trouve ça va. T'as pété un pneu frère. Arrête. Déjà ils étaient normal. Ils étaient tout neufs les pneus. Putain t'as pété le pneu si vite. En plus en tout il a changé les pneus. Il a fait allez là vous avez des pneus tout neufs. 5 minutes. Parce que là ils nous ont vu partir du hangar il y a 7 minutes, 10 minutes. On revient pour la même raison de tout à l'heure qui est un pneu pété, un pneu explosé. Et c'est même plus le même mec au volant, c'est un bordel, ils comprennent plus rien. Les gars, faut changer les pneus là. Putain, la mergadou. Oh, t'as fait une mergadou là, frère. On a réparé le pneu et c'est reparti. Arrête. J'explique qu'on reprend. Toujours Manas au pilotage donc. Ça peut s'arrêter à tout moment. Arrête. Concentre-toi. Je m'attache pas. On est au permis de conduire. Je dois faire riffer les angles morts, j'ai même pas de rétro du coup. Maintenant. Alors, le 180 est bien, mais t'as tué le cadreur encore. En fait, je déteste les cadreurs. C'est lui, c'est la concurrence donc ça le fait chier. Ouais, c'est pour ça, c'est pour ça, il est dans les choses sympas. Voilà, nickel. T'as fait rentrer dans Adrien après là, mais... Adrien Regarde bien le flow quand tu le fais.
Regarde tes mains sur le volant. Mais frère, j'avais plus le truc. Mais frère, il fait un truc bien et puis après il a genou, il dit regarde, regarde. Arrête frère. Reste concentré. Mais non, mais en fait, il a fait le tour, il a fait regarde, c'est trop bien. Mais non, mais parce que j'ai fait un truc avec mes pieds, ça m'a sorti de mon truc. Désolé en vrai. La barre de la voiture, la chaufferie, là, elle est toute à droite. Ah, alors attends, arrête. C'est qui a fait ça? Je sais pas, je reprends le volant, la barre elle est à droite de fou, la voiture va exploser. Je sais pas. Nique mes sessions, frérot, t'inquiète, frère. Y'a pas de galère. Putain, c'est quelque chose, hein. En vrai, là, toute cette journée de formation aujourd'hui, sur le drift et tout, elle va servir surtout à la cascade finale de demain. Parce que la cascade finale de demain, c'est... vous verrez, hein. Vous verrez, mais ça va être utile pour la cascade de demain. C'est vrai, mais t'as capté vite, hein. Après, vas-y, moi j'ai crevé un pneu, j'ai cassé la voiture, c'est bon. Ouais, bon ouais. Ça coûte vite cher, quoi, tes conneries, là. Puis à chaque fois, c'est en 10 minutes, quoi. Ouais. Mais moi, c'est intense. Je vis ma vie à 100%, moi, tu vois. T'es un mec qui vit vraiment à 100 à l'heure, toi. Ouais, compliqué ouais. De te rattraper, toi. J'ai envie de péter le pare-brise de Adrien avec ça, là. En fait, tu vois, je veux plus que tu utilises le frein à main maintenant. Je veux que t'arrives avec la dynamique de la voiture au transfert de charge. Donc t'accélères, quand t'arrives, tu vois ton cône. Tu lâches l'accélérateur, ça envoie la voiture de l'autre côté et t'arrives à repartir comme ça, à faire des 8 sans utiliser le frein à main. Pour le premier coup, je mets un frein à main quand même ou pas? Pour le premier, tu mets le frein à main. Ok, d'accord. Vas-y. Attention, Manas. Non, franchement, ça c'est super, c'est ce que je veux, c'est pas grave, t'as écrasé le code. Pour faire partir la voiture, je lâche l'accélérateur d'un coup, et après je le reprends quand j'ai fini. Voilà, c'est d'accord, ça. Okay. Tu vois, ça fait un... Là, okay, tu vois, okay. Faut que tu trouves ce truc-là. Ok, ok. Je vais pas te mettre à la place d'un cône, non? Je le sens bien, là, je le fais bien, là, je trouve. Ouais. Te fais pas chier, je vais faire le cône. Je vais faire le cône? Non, je te jure, je le fais pas. Oh là là. Et la barre, elle a une barre à droite là. Bah alors attends, fais un petit... Je vais faire un tour. Ah oh, putain. On va la faire refroidir un peu. Ça va? Ah ouais, je suis crevé là. Ah bah ça tue. Putain mec, c'est trop technique sans le frein à main. Alors vas-y, mets-toi au milieu de la piste en marche avant. Maintenant, je vais te mettre deux cônes. Je veux que tu arrives très vite. Tu tires ton frein à main, tu gardes de l'élan et tu passes en marche arrière entre les deux cônes. Ok, putain, ça a l'air compliqué ça. Attention, Manas. Maintenant, ce que je veux, c'est que tu déclenches avant les cônes pour passer en marche arrière dans les cônes. Tu vois? Tricheur, il a ouvert les portes. Tu triches. Bah, Dernier, il passe. Regarde, je passe. Le roue droite. Je passe. Oui. Ouais. Let's go. Comment y vont mes jalapenos à la mayonnaise? Je teste des nouveaux trucs pour la commu, frère. Deuxième jour, du coup, on va continuer un peu de perfectionner, on va dire, les drifts, etc. Même si je suis déjà pas loin de la perfection, mais bon. C'est mon gars, ça! Ouais, en mode arrogance! Arrogance! À partir de midi, il y a tout le monde qui se casse, et du coup, après, nous, on tourne nos cascades à nous. Le temps de les préparer, les répéter, etc. Et tout. Donc, grosse journée aujourd'hui. Mais voilà, hein. Pas envie, là. Pas envie du tout, il est 9h du mat. Allez! C'est pas ça!
là je suis dans les trucs de groupe. Et du coup si je donne trop vite ça crée un écart. Là c'est normal. C'est pour ça là je vais faire crescendo. Sid, non Sid arrête. Tu peux plus la faire, c'est bon. Oh non. C'est fini. Mais faut que tu te gaines, tu fais n'importe quoi. Non mais là comme je disais à la cam, je fais exprès de mal faire, comme ça tout le monde se dit ok on fait tous bien mal quoi. Ah mais là tout le monde, mais vraiment tout le truc c'est ça. Ok bah c'est parfait, mais attends je vais pouvoir bien faire. Okay. La GoPro sur la voiture et après du coup on entend plus ce qu'il me dit à Doki. Quand là il me dit c'est super ce que t'as fait, c'est nickel, t'as utilisé le transfert de charge, nickel, super, c'est putain c'est trop bien. Là on n'entend pas, là ça on n'entend pas quand il dit ça. Ok, là ça y est, c'est le grand moment, on va commencer les cascades. On commence par la première qui est le traînage par véhicule, c'est à dire que je vais me faire traîner par une voiture. Donc pour ça, il faut des protections. Il faut des protections aux genoux, aux coudes, au dos et aux hanches, fesses et tout quoi. C'est pour les fesses ça? Ouais, c'est un proxy. Ouais, ok. Je vais le mettre dans votre protège couille. Tu veux un coup de main pour le mettre? Ouais, je veux bien. Ah, ça ferme sa gueule là. Hein. Ça porte pas ses coudes. Hein. Oh putain, on va voir ça. Hop là, parfait. Mais bon, pas, donc t'as porté tes couilles, c'est bon. Très important les coudières parce que c'est vraiment sur les genoux et les coudes que je vais être principalement. Oh non, il est bon. Oh, c'est bon, ça. T'as une appréhension de ça un peu ou quoi? Un peu. Ouais, un peu. Ouais, ouais, carrément. Oui, ça marche bien. Je t'ai combien de pantalons, frérot? Je sais pas, mais il a dit faut en mettre au moins 5. 5? Oh non, c'est un skinny en plus. La vieille époque. Il a tourné sur le long. Oui. Non, ça va, vas-y, rentre. Lui, il est rentré nickel. T'es sûr? Ouais, ouais. Laisse-moi tes becs. Là, frérot, il est très large. Non, je dirais toi sur les têtes là. Ta gueule. Ok. C'est stylé celui-là, tu l'as acheté en flip? Non, c'est à moi, c'est mes vêtements. Non, c'est pas grave. Est-ce que j'avais pissé une fois? Bref. Oh, il est fou, c'est Squid Game. C'est Squid Game? C'est Squid Game, frère. Arrête. C'est vrai? En plus, t'es le 456. Oh, la classe de fou. 2, c'est bon, non? En vrai. Il a dit 5. Ah, il a dit 5. Je vais t'en mettre 4. Ouais, vas-y. Moi, je vais te faire 5. Celui-là, c'est le plus beau. Tu vas rien faire, toi, frère. Tu vas pas ta bouffe. Oh, là, ça commence à être... Je suis prêt. Ready? Ready. Oh, sa mère, on dirait pas le mec qui danse comme ça, là. La clou rentre là, sur TikTok. C'est toi qui tiens la corde, comme ça. Ok. Et c'est vraiment, tu vois, d'aller t'allonger. Essaye, tu vois, en gros, de lever un petit peu le ventre pour être sur les coudes et sur les genoux. Ok. Ok. Et après, tu lâches au bout d'un moment. Après, c'est à toi, donc je te dis, essaye de pas être tout le temps sur le même, comment dire. Ouais, sur le même angle. Oh, ça grippe de ouf. En fait, tu vois les endroits où t'as les coques, ouais. Tu sens les coques, c'est là où tu peux aller chercher un petit peu. Ouais, tu donc vois. Je peux un peu. Voilà, si tu veux, tu peux aller chercher les coques. Voilà, c'est okay. Ça va, toi, le niveau vitesse, t'as ressenti combien? Moi, j'ai ressenti 25, 30, un truc comme ça. Ouais, ça grippe le sol, frère. Par contre, 20 km/h. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu veux aller plus vite? Ouais, on essaie d'aller plus vite. De toute façon, si je vois que c'est un peu trop, je lâche direct. Hein. Tu lâches, c'est ouais. Vas-y, plus! Trop bien mec, tu veux essayer? J'ai pas de la vie. Faut qu'on attende avant qu'il y ait tout qui craque quoi. Je te kiffe de fou, c'est trop bien. C'est trop bien. Du coup là on va aller un peu plus vite. Ouais, on va essayer de prendre là entre 35 et 40 km/h vu que tu te sens super bien. Donc, ouais. Donc ça va, comme je te disais, c'est aussi toi ton ressenti, okay, tu ouais. vois. Vraiment si tu sens que ça chauffe et tout, tu lâches. Ouais. Sinon essaye de bouger un petit peu pour répartir ouais. un peu. Tu sur le dos aussi un peu des fois et tout si je peux? Ouais, ou... tu ouais, peux, franchement okay. si tu le sens tu peux ouais. Okay. Après je te dis, c'est aussi toi ton ressenti quoi. Okay. Sur le dos fais attention parce que
tu peux vite quand même cogner, tu vois. Enfin, privilégie quand même les côtés, tu vois. Okay. Puis voilà, écoute, bon courage. Merci. Allez, go. La chanson laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse, prends tout son sens. On est parti. Ah, je t'ai dit, hein, c'est one shot hein, souvent. Ah ouais, non, je suis tout crasse-pouilleux là. Ça va? C'était bien là. Ouais. Elle est belle en tout cas, bravo. Elle est belle? Ouais. Bah, je peux plus rien faire là, je crois les vêtements c'est mort là. À mon avis, à moins que t'aies une chair solide, tu vois, c'est possible. Je crois que ça chauffe un peu là. Ça chauffe? Vite fait, ouais, je crois là. Mais ça va. Ouais, après, t'es peut-être un petit peu râpé, tu vois, mais bon, ouais, tu mais sentirais non, enfin, si ça vraiment c'était violent. Ça ok, ça va. Ça, je suis désapé quoi. C'était trop bien. Ouais, ok, bah top. On a fait jusque là. Ouais, 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 on, ah a putain, fait, on a dû faire pas loin de 100 mètres, je pense. Eh ben. Ouais, je pense qu'on a fait 100 mètres, ouais. Là, je lui ai demandé d'accélérer, je pense qu'on devait être à 40 km/h, un truc. Ouais, ça s'est senti, ça allait encore plus vite, là. Ouais, il a bien accéléré. Ouais, ouais. Non, bah trop bien. Elle est belle, t'as bien bougé et tout, franchement, c'était vraiment sympa. Ouais, je suis content, là. Bah, faut que je me déshabille, hein. Il y a plus qu'à. Allez, cascade suivante. Bon, du coup, là, pour la cascade qui va suivre, pour la dernière cascade, il y a un moment où il va falloir percuter une voiture un bon 50 km/h, sans freiner, sans décélérer, rien. C'est ça la cascade. Donc, bah, il faut que je me prépare un peu avant, il faut que je m'équipe. Du coup, là, tu vas mettre genouillère, coudière. Okay. Une petite Minerve et puis le casque. Ouais, au pire, si tu veux, tu peux les mettre au-dessus du jean. Il y a full pluie. Parce que la pluie, elle s'en va, elle revient, elle s'en va, elle revient. Si vous voyez des faux raccords sur la dernière cascade, soyez indulgents. On n'est pas à Hollywood. Là, quand même, on désamorce. Là, je pense que c'est la cascade qui me fait le plus stresser, hein, on va dire. Hein. Et puis, il faut pas freiner, il faut pas décélérer et tout pour que l'effet soit vraiment top. Qu'en fait, l'idée, c'est de faire un crash inattendu, quoi. Tu vois. Et si tu attends pas, tu freines pas, quoi. Il pleut de fou. On a encore plein de trucs à tourner. Mais ça va aller bien. Ça en rappelle un Théodore. Ça aurait pas été du luxe. Du coup, ça, je mets ça comme ça. Alors, en fait, non, c'est dans l'autre sens. Hop. Ah. On a toute une grosse scène à tourner et tout. Je vais pas vous spoiler, vous allez voir. Mais rien n'est préparé, frère. On sait pas du tout quel plan, on sait quoi, qu'est-ce qui se passe, où. On va tout improviser sur le moment. On est à la bourre de fou. Ça, c'est impro total. On a marqué, de toute façon, sur la prise, sur le carnet tout à l'heure avec Manas, on a écrit dernière cascade, scène finale, impro, improvisé sur le moment. Il a fait que sauter. Je sais, hop, je roulais d'un coup, la voiture pourquoi s'est arrêtée d'un coup comme ça. Je crois qu'on a fait trop fort avec la voiture. Là. Ouais, t'as vraiment les deux roues, ouais. Ah, mais j'ai senti, j'ai pas compris ce qui se passait. C'est pas bloqué, hein. Au pire, on continue avec la Nissan. Ni vu ni connu. Chauffard! Ils sont barges! Putain! Faut que je trouve une place pour me garer. Oh putain, fais chier! Oh putain, fais chier ça! Ça m'a l'air pas mal là. Merde! Merde! Oh non! Oh.
Wesh, 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 wesh. Le cinéma quand même, c'est bien des cascadeurs. Bon, oh. Oh. Voilà. Ouais, ouais. Dans la gueule. Mais tu veux une fois, t'es à 40 km/h. Ah ok. Waouh. Je crois que je suis monté à 50 à peu près là. T'es allé à 50. Ouais. Frère, j'ai tapé, écoute. Non, moi, je te dis, ça tape. Hein. Ouais, ouais, tu le vois en GoPro, j'ai tapé, frère, toute ma mort va y sortir. Mais tu vois, ça tape, hein. C'est pour ça que je t'ai dit. Ouais, fort, hein. Bah ouais, bien sûr. Putain. Bien sûr que ça tape. Tu vois, la Minerve, tu comprends. Ouais, ouais, mais heureusement. Ouais, ouais. Non, ah, bah, bravo, ouais. En tout cas, franchement. Vraiment, bah, franchement, merci beaucoup. Bravo à tous. Bravo. Oh, bravo, ça va, merci, c'est super. Incroyable. Non, putain, trop bien. Bah, incroyable, hein. Bah, ça y est. Hein. Bah, écoutez, on remercie encore une fois, évidemment, Stitch pour nous avoir permis de faire ça. Je rappelle que toutes les informations sont dans la description. On rappelle aussi le code promo GILC pour avoir 50€ de réduction sur le package du permis. Donc c'est génial, merci beaucoup à Stitch parce que je suis très content de ce projet là. J'espère aussi que ça vous aura plu, merci à toute l'équipe, merci à tous les cascadeurs de Stunt Guys, etc. C'était génial, merci. Ça va être long ça. Écoute. Dans les Simpsons ça s'enlève trop vite. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine pour peut-être un prochain épisode cascade dans un autre domaine encore une fois. Et sinon à très vite pour tes prochaines vidéos, pour des prochaines aventures. À bientôt, à très vite. Wouh.